Le 7e régiment d'instruction et d'intervention de la sécurité civile recrute tous les ans entre 80 et 100 volontaires de l'armée de terre qui, après une année de service sous ce statut, peuvent passer sous un contrat d'engagé volontaire de l'armée de terre, d'un contrat de 5 ans qui, après, leur ouvre une carrière complète en tant que militaire du rang ou éventuellement qui peuvent passer sous officier ou voire officier avec un statut complet d'armée de terre. Les renouvellements se font bien sûr au mérite et sur la volonté des personnels. Et nous avons donc une cellule qui se déplace dans les établissements scolaires et sur les lieux de rencontre pour recruter proposer ces contrats aux jeunes qui sont intéressés par nos métiers. Il y a un an, je suis venu aux portes ouvertes ici justement, et en voyant la polyvalence de ce métier, j'ai décidé de devenir militaire. Donc je suis allé à mon CERFA le plus proche, donc Valence. Et par rapport à celui-là, je suis parti à Lyon pendant 2 jours faire les tests physiques. Justement, ces tests avaient permis de voir si j'étais bon physiquement, si tout allait bien. Et après, suivant ça, je suis revenu cette année pour discuter avec l'adjudant du recrutement, pour savoir où en était mon recrutement, comment ça se passait. Donc le mieux dans ce métier, c'est la polyvalence. Je pense très enrichissant, en expérience de vie. Maintenant, un bon esprit d'équipe, je pense que ça véhicule des valeurs chouettes, je pense. Ouais.